Maintenant, à Trois-Rivières, Monsieur Hugo Mayotte Couture. Bonjour. Oui, bonsoir. Merci. Bonjour, Bonjour. merci, Monsieur le Président. Moi, je suis un biologiste, je travaille dans le domaine d'évaluation environnementale. Dans ce domaine-là, ce qu'on fait, c'est qu'on valorise des composantes, puis on prend des décisions à partir de ça. Hier, il y a une question qui a été posée pour savoir quelles étaient en fait les justifications d'un tracé qui était au nord du fleuve puis qui longeait de près ce dernier. La réponse a été qu'il était avantageux de suivre l'emprise d'un gazoduc existant pour minimiser donc le nouveau déboisement, etc., l'emprise. Par contre, on sait qu'un gazoduc, quand il y a une défaillance, ça n'a pas le même impact qu'un pipeline. Du gaz naturel, ça va dans l'atmosphère. Pipeline, ça coule dans l'eau, dans les milieux naturels. D'une part, comment on peut justifier en fait que le tracé soit assez près du fleuve pour qu'un déversement puisse se rendre à celui-ci à partir d'une rivière, puis dans plusieurs cas, particulièrement entre autres dans le secteur du lac Saint-Pierre, qui est une réserve de la biosphère de l'UNESCO. C'est quoi qui a mené la compagnie à en fait penser que la diminution de la taille de l'emprise était plus importante au niveau environnemental que de s'assurer qu'un déversement puisse pas atteindre un des plus grands et importants fleuves au monde? Monsieur Bergeron. Monsieur le Président, je vais demander à Monsieur Veilleux de répondre. En fait, hier, ce qui a été expliqué aussi également, c'est que ça avait été regardé de passer par la rive sud, mais comme il faut rentrer à Suncor et que c'est impossible de rentrer par la rive sud à cause de la densité de la population, la présence du parc des îles de Boucherville, etc., donc il fallait rentrer pour alimenter Suncor par la rive nord. J'ai mentionné aussi qu'il y avait le point d'entrée qui était important, qui se fait très près de la frontière, près de Rigaud et Pointe-Fortune, juste en aval du barrage Carillon. Donc, c'est ça qui favorisait d'utiliser la rive nord pour justement alimenter Suncor. Et une fois qu'on a dit ça et qu'on est rendu sur la rive nord, l'autre avantage, c'est d'essayer de regrouper les infrastructures lorsque c'est possible. Et comme TransCanada exploite déjà le réseau de gazoduc TQM, ça faisait en sorte que c'était intéressant d'un point de vue exploitation et de réduction de déboisement de l'emprise temporaire, parce que l'emprise permanente, elle, va être déboisée totalement. On parle de 20 à 25 mètres environ. Donc, en gros, là, c'est l'idée, là, de suivre la rive nord. Maintenant, si vous voulez, M. Grenon peut compléter sur la question de la préparation des plans d'urgence sur la rive nord. Mais je crois que la question était, est-ce que ça aurait été possible d'envisager un tracé, par exemple, qui aurait été plus loin sur la rive nord, plus au nord sur la rive nord, par exemple, je ne sais pas, ici, je vois des municipalités, le Crabtree, ou même au sud de Shawinigan, ou Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Narcisse, donc un tracé près du piémont, je dirais, de Laurentides, par exemple. C'est le sens de la question de monsieur. Effectivement. Puis en fait, si je peux ajouter avant qu'on réponde, là, j'étais intéressé de savoir en fait de quelle manière ça avait été valorisé l'empreinte de l'oléoduc réduite, là, donc l'empreinte de déboisement versus la protection d'un cours d'eau comme le Saint-Laurent, là, vraiment. Parce que je sais que c'est des choses qui sont faites quand on évalue les impacts d'un projet. Puis j'étais intéressé de savoir comment ça s'est fait. Bien, en fin de compte, ce qu'on a essayé de faire, c'est dans la mesure du possible de suivre des infrastructures existantes. Oui, il y en a également qui sont plus au nord, par exemple des lignes électriques qui s'en vont dans diverses directions. Le chemin le plus court nous apparaissait vraiment celui qui était de gazoduc TQM. Et à ce moment-là, même si on était plus au nord, je comprends bien que ça descend quand même dans le fleuve, on aurait été plus éloigné. Mais il y a d'autres inconvénients certainement qui auraient été trouvés de ce côté-là aussi. Et ce n'est pas certain que d'un point de vue acceptabilité sociale, celui-là aurait été davantage privilégié, notamment pour l'avoir fait déjà dans le passé. C'est quand une entreprise a déjà un pipeline existant qui l'exploite, bien, les gens ont plutôt préférence à le suivre justement parce qu'il y en a déjà un, surtout lorsque la même compagnie l'exploite. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans chacun des cas, là, mais c'est certain que l'emprise de TQM joue un rôle important. Celle-ci est déjà aussi adjacente à l'autoroute 40, donc on a essayé de regrouper encore une fois le plus possible. Maintenant, dans le cadre de la préparation des plans d'urgence, comme M. Grenon l'a mentionné, à ce moment-là, c'est tous des facteurs qui vont être considérés en cas d'intervention. Merci. Merci, M. Couture.